à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de comment fonctionne la propagande. J'ai eu un exemple extraordinaire avec le débat entre Marion Maréchal et Mathilde Panot. C'est très simple, ça se passe tout de suite au début, vous pouvez le voir même sans voir tout le débat. Alors, le journaliste qui présente explique ceci, cela, ça on s'en fout, et il dit à Mathilde Panot, il lui pose une question sur sa rencontre avec Marion Maréchal, comment ça s'est passé, etc. L'autre répond avec sa propagande habituelle à côté, ça ne dure pas longtemps, et immédiatement on embraye. À aucun moment, le journaliste va lui dire « Vous ne répondez pas à ma question. » Par contre, quelques secondes après, c'est à Marion de parler, et là, le journaliste pose une question aussi et interrompt immédiatement Marion pour lui dire « Vous ne répondez pas à ma question. » Et il l'interrompt deux fois. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est-à-dire, dans un premier cas, on ne répond pas à la question, on continue. Dans un deuxième, quoi qu'il arrive, on coupe. Et ça s'appelle ça de la propagande, ça s'appelle de l'idéologie. Et c'est dramatique parce que je n'ai pas vu que les gens de droite, en général, fassent attention à ce problème, qui est un problème quand même grave, parce que c'est de la communication de base. Alors, évidemment, là, on a un orfèvre dont il faut bien parler dans la matière de communication de base et d'enfumage, c'est Macron, puisque lui, il utilise en permanence cette technique qui consiste à enfumer, parce que pour lui, il s'agit d'endormir le peuple et de lui faire croire qu'il travaille. Alors, en fait, c'est une technique très simple, mais très bien rodée, hein, qui consiste à s'emparer d'un sujet quelconque, à le balancer dans les médias, qui eux vont reprendre pendant des jours et des jours, voire plus, le sujet, et ainsi on occupe la scène médiatique, et on la bloque pour parler d'autre chose. Ça évite de parler d'autre chose. Donc on bloque cette scène, c'est fini, poum poum, il n'y a plus rien. Alors vous avez des grands exemples, hein, les grands exemples vous les connaissez, ça a été le fameux grand débat qu'ils voulaient faire, et qui a accouché de je ne sais quoi, mais de pas grand chose. Après il y a eu le Covid, alors là, le Covid, je dis l'heure, parce que c'est plus simple. Le Covid, là, ça a duré longtemps, ça a permis de faire plein de trucs bidons, parce que il faut remarquer une chose, on a toujours le Covid en ce moment, mais on n'en parle plus, donc ça n'existe plus. Après, vous avez eu un truc intéressant, c'est l'Ukraine avec la Russie, parce que là, c'était chaud, c'était bien, ça a permis d'importer encore plus de 100 000 personnes en France qu'on paye royalement, plus cher que des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il faut le savoir, ça, quand même, personne n'ose le dire. Il ne faut pas le dire, c'est pas bien de dire ça. Parce que nous, on veut la paix, on veut l'amour, on veut tout ça. Mais en attendant, qui c'est qui trinque? C'est nous, les Français. Hein, les petites retraites, là, les gars et les femmes qui ont travaillé toute leur vie, hein, pour arriver à être moins payés que des gens qui ne seront jamais français, qui emmerdent la France et qui la détestent, c'est quand même un beau pays, cette France. Hein, c'est extraordinaire, je dirais même. Donc, il faut en profiter, et ils en profitent. Alors, dans cette technique de Macron, hein, on a eu les retraites, là, ça a été un chef-d'œuvre. Moi, je dis que ça a été un chef-d'œuvre, parce que si Macron avait, on peut imaginer, voulu mettre la retraite à 67, 68 ans, là, je comprendrais qu'il y ait eu toute cette émotion, tout ça autour de ce projet. Mais regardez bien qu'à la fin, le projet, mais ça, personne n'en a parlé, pourquoi on en parlerait? C'est deux trimestres de plus qu'avant, et encore pas pour tout le monde. Donc, bravo, je dis bravo, parce que faire passer ça, comme il le fait, après avec un 49-3, bien sûr, parce que 49-3, là, ça y va, hein, ça valse, hein, comme dirait l'autre. Là, Madame Borne est illimitée pour le 49-3, ça y va, hein, au moindre truc, là, 49-3. Et ça marche bien. Je sais même pas pourquoi on a 577 députés qu'on paye à rien faire, quoi. Je ne comprends pas. Il faut supprimer l'Assemblée nationale. Elle ne sert plus à rien. On fout le 49-3 et c'est fini. Donc, plus d'Assemblée nationale, elle ne sert à rien. Puis Macron, il s'en fout. Il peut être minoritaire, il peut tout ce que vous voulez. Il fera pire que l'histoire du référendum où le non l'avait emporté en 2005. Et on a dit, bon, bah, le non l'a gagné et c'est le oui qui reste. Ça s'appelle de la démocratie quand même. Hein,
On est dans une grande démocratie. Alors, on a parlé des retraites, des trucs. Maintenant, on a un sujet formidable, l'immigration. Vous vous rendez compte, l'immigration. Parce que tout le monde est conscient quand même qu'il se passe quelque chose. Et bien, que fait Macron? Eh bien, il envoie toutes ses troupes au front sur ce sujet, l'immigration, on va faire, vous allez voir, tatati. Et il n'y a rien. Par contre, en coulisses, mais là, personne n'en parle, personne. Qu'est-ce qu'on fait? On implante, tenez-vous bien, des migrants dans des petits villages partout en France. Ce qui va, à quelques années plus tard, va être un désastre. Mais un désastre que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Alors si ça c'est du racisme, eh ben je suis raciste, pourquoi pas, mais c'est une réalité, ça va être pire qu'une guerre tout ça, ça va être affreux, parce que partout où il y a eu ce problème, ça s'est mal terminé, mais c'est pas grave, faut pas le dire, parce que sinon t'es populiste, fasciste, réactionnaire, et j'en passe, ultra-droite, ça c'est nouveau, hein. Ultra-droite c'est très nouveau, et évidemment... t'es raciste, quoi. Ça, c'est interdit. Tu peux pas être raciste. Si. Ah, si, j'oubliais. Tu peux être raciste, mais contre les blancs uniquement. Là, c'est bien. Là, c'est plus du racisme, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est. C'est la fameuse idée que j'avais développée il y a quelques années, où je disais, si un blanc écrase un de la diversité, ce n'est plus un accident, mais c'est un crime raciste. Et par contre, si un de la diversité écrase un blanc, c'est un accident. Voilà, ça, on en reste là, c'est carré, c'est très bien. Donc, on en est là dans ce système un peu, disons, on peut le dire, pourri. Heureusement, donc, Marion n'est pas tombée dans le panneau, parce que sinon, ça aurait été terrible, imaginez, parce que cette panneau, elle est insupportable. Elle parle des libertés, alors que si elle se conduit véritablement, osons le dire, quasiment comme ce que faisaient certains dans les années 39-45, quoi. Elle oscille entre nazisme et collabo, quoi, je sais pas, entre les deux. D'ailleurs, toute cette gauche-là oscille entre les deux. Ils sont tellement anti... Ah oui, il faut pas le dire, donc je ne dis pas antisémite, mais antisioniste, que ça les oblige à avoir une politique quasiment qu'aurait adoré le régime de Vichy. Voilà, on en est là. Mais... si on dit tout ça, attention, parce qu'on risque de tomber sous le coup du racisme, et ça, c'est pas bien du tout. Bon, je vais arrêter, parce que sinon, vous savez, comme moi, ça me fatigue. En plus, franchement, on est mal, on est même très mal. Et je ne vois pas bien, et j'ai beau chercher, comment on va se sortir de ce, allez, osons le mot, de ce merdier. À bientôt, merci, au revoir.